you see, hello again. Can you see? Yes, Mrs. Thank you. So just to explain the behavior of a thin film that is made of silicon nanoparticles, you can see here that in order to have a thin film, when I say a thin film, physically speaking, it is a 2D system. It is a surface, it is like a surface. And so if I have a substrate, my substrate, and that I put this silicon, this is Si, okay, silicon nanoparticles, they are supposed to be spherical, almost spherical, okay? You can see that if I join all this, the silicon nanoparticles together, I will have some holes here, for instance. I have a hole here, I have a hole here, and the system that I get, the system that I obtain is spongious. Okay, spongious means like une éponge, c'est une éponge. And this structure in en éponge, this sponge structure is used in physics for energy storage, for hydrogen storage, for instance. So this is another application. This is another amazing application of silicon nanoparticles. And this is what they mean about making films, making thin films with silicon nanoparticles. Why it is porous? It is said to be porous because here you have a pore, a hole. Okay? How we can get porous silicon, and this porous silicon is widely used for hydrogen storage. Is it clear? Do you need that I explain in French, please? Voulez que j'explique en français. Est-ce que il y a des étudiants? Ok, ok, d'accord. Donc pour le, je vais tout reprendre, mais pas tout reprendre du début. J'ai dit les nanoparticules de silicium sont utilisées partout. Et parmi leurs, là, ils sont en train d'obtenir, de parler de l'obtention de films faits à partir de nanoparticules de silicium. Et là, ils vous parlent de nanoporous silicon, comme c'est des nanoparticules. Donc, ça va faire des nanopores. Et ces nanopores peuvent être utilisés en industrie dans le stockage de l'hydrogène. Tous les systèmes, parce que déjà, à l'échelle macroscopique, vous avez en 3D, quand le système, ce que j'appelle le bulk. Le bulk, c'est le système volumineux, c'est le système macroscopique en 3D. Vous avez le silicium cristallin et vous avez le silicium amorphe, ça veut dire il n'a pas de structure cristalline, et vous avez le silicium poreux. Le silicium poreux, il forme naturellement des pores, et quand on a une structure poreuse comme ça, on peut l'utiliser pour n'importe quel stockage. Alors, parmi les stockages les plus utilisés, les plus répandus, c'est pas une intention, c'est pas un projet, c'est déjà fait. C'est le stockage de l'hydrogène. D'autant plus que le silicium réagit très bien avec l'hydrogène.
D'accord? Donc, ça, c'est à l'échelle macroscopique. À l'échelle nanoscopique, vous avez les films qui sont faits à base de nanoparticules de silicium. Donc, au lieu de former des pores à l'échelle microscopique, ils vont former des nanopores, et ces nanopores ont leur utilisation en industrie. D'accord? Et donc, alors, je reprends que quand je parle, l'application la plus importante de ces nanoparticules, c'est la théranostique. Pourquoi la théranostique? C'est des nanoparticules qui sont utilisées en même temps pour la thérapie et pour le diagnostic. Donc, quand il y a des patients qui sont à un stade très avancé de leur cancer, on n'a pas de temps à perdre pour faire d'abord le diagnostic et ensuite la thérapie. Donc, ils utilisent les nanoparticules de silicium sont les plus adéquates pour être utilisées. Donc, ils les envoient dans le corps humain. Elles vont en même temps diagnostiquer et traiter. Donc, comment elles traitent? On va les charger de la, ce que vous connaissez tous, la chimiothérapie. Alors, le produit qui va pour la chimiothérapie et qui va à passer à travers tout le sang et qui va présenter des effets secondaires, et donc le patient sera très, très malade, il va aller directement à la tumeur. Et donc, il va décharger ce produit qui est dans la chimiothérapie, il sera déchargé au niveau de la tumeur. D'accord. Et donc, il va la traiter localement, donc sans toucher les autres organes. Et donc, c'est quelque chose, c'est une merveille. D'accord. Imaginez, au lieu de faire la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est ce que j'appelle la vectorisation des médicaments. La nanoparticule, elle va aller droit à la tumeur, elle va la traiter. D'abord, ils vont la diagnostiquer, elle va la détecter, elle va dire là où elle est, et en plus, elle va décharger le produit de traitement de la tumeur. Et pour moi, personnellement, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est pas dû au progrès de la médecine. Bon, bien sûr, la médecine, elle y est pour quelque chose, mais c'est dû au progrès de la physique, pour dire où est-ce qu'ils en sont arrivés en physique. La nanoscience, on peut pas continuer à l'ignorer en Algérie. Ça fait quand même plus de 30 ans ou 40 ans que les choses sont en train de se développer, et il faut au moins qu'un étudiant qui sort avec une licence de physique soit conscient que des particules, nanoparticules comme ça existent. Voilà. Est-ce que c'est clair? OK. S'il vous plaît, si vous trouvez que les choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser la question en français, parce que ce qui m'importe, c'est surtout la physique, mais bien sûr, de prime abord, il y a l'anglais qui importe le plus, hein, bon, bien sûr. OK, so, silicon nanoparticle thin film upon UV excitation in 1990. So you can see that there are so many years that it has started. What do they mean by UV excitation? I have already explained the behavior. Silicon is a semiconductor, and if you have any 2D or 3D system, and that you strike this system with light, with photons, what you do actually is that you give some energy to the electrons. This energy will allow the electrons to pass from the valence band to the conduction band. Okay, this is what they mean by UV excitation. So, heavy metal free nanoscale silicon. Why do they say heavy metal free nanoscale silicon? It doesn't contain any cadmium or lead or elements or metals like this, because these heavy metal systems are known for their toxicity. They are very toxic to the human body. So silicon is much more interesting if they can use it, of course. Okay, so heavy metal free nanoscale silicon has been investigated in depth. When they say in depth, that this means that they have gone so deep in their research, in their investigations, okay? For its unparalleled physical and chemical properties. When they say unparalleled, this means that no other elements in the periodic table can present such behavior, okay?
This is what they mean by unparalleled physical and chemical properties. No other elements, no other alloys, because they are, as I have already explained, they are semiconductor alloys, but they don't present these properties, these amazing properties, physical and chemical properties that silicon presents. Okay, such as the feasibility. When something is feasible, it is like in French, it is feasible means c'est faisable. Okay, c'est quelque chose qu'on peut faire aisément avec le silicium. For surface functionalization, size dependent, multicolor light emission, stability against photo bleaching, and intriguingly favorable non-toxicity, which has been reported to be 10 times safer than those of cadmium-based counterparts. Because usually they use cadmium nanoparticles, cadmium-based. So cadmium combined usually with selenium or with zinc selenium. So I will explain. What do they mean by surface functionalization? Surface functionalization means, let me just return to my, it is important to know how do these nanoparticles away and go straight to the tumor. So this is my nanoparticle. As I have already explained, this nanoparticle is formed of, okay, and these silicon atoms, physically, silicon is known to be tetravalent. Tetravalent means that it can have four bonds, okay? Usually it is, these are atomic bonds. So with this bond, it will be binded to this atom, with the other one to this atom. If this is the core of the nanoparticle with this bond, and usually you always have, always you have dangling bonds. Dangling bonds means missing bonds. Okay, what do they do? This is a bond where the silicon atom is ready to get grouped or to get joined to another type of atom in the periodic table, and they do their functionalization here. En français, c'est ce qu'ils appellent la fonctionnalisation des nanoparticules. Donc, ils profitent de ces liaisons pendantes parce que même à l'échelle macro, même pour le système en 3D, les atomes de silicium, ils ont cette particularité de présenter ces liaisons pendantes. Donc, il y a toujours un lien qui pend et il est prêt à être utilisé quelque part. Donc ici, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des produits chimiques. Qui, par exemple, qu'est-ce qui attire la tumeur et qu'est-ce qui va interagir chimiquement avec la tumeur? Le sucre. Le sucre, les tumeurs se nourrissent de sucre. Donc, il y a une interaction entre la tumeur et le sucre. Je peux mettre un élément chimique qui va interagir ici dans cette liaison pendante, c'est ce qui s'appelle la fonctionnalisation des nanoparticules. Parce qu'il faut se demander quand même comment la nanoparticule va connaître son chemin et aller droit à la tumeur. Ce n'est pas comme ça par hasard, ils vont profiter de cette liaison pendante pour faire leur fonctionnalisation et donc pour mettre un élément chimique qui sera attiré par la tumeur et qui va aller droit à la tumeur. Okay, c'est ce qu'ils appellent la fonctionnalisation. Is it clear? Can I have some feedback from you students? Okay, if it is not clear, you can ask and I can repeat. Okay, so this is functionalization, surface. They are talking about the surface of the nanoparticle. Surface functionalization, size dependent. Size dependent, as I have already explained, the physics governing this, the behavior of these nanosystems, these nanoparticles, tells you that this behavior is size dependent, which means that I have a property, I can observe, I can get some benefit from a property, but if you change the size, you will have another property. This property will change. This is size dependence. And if you still change the size, you will have another property, okay? This is size dependence. That is not observed for bulk systems. So
What is this size dependent property? It is multicolor light emission. This means that it will emit light. It will emit light in red, in orange, in blue, for instance, in so many colors. Okay, and stability against photo bleaching. What does this mean, photo bleaching? You know that for the white, what is the color that will join, that will gather all the colors? The white. Okay. Vous savez que la lumière blanche, c'est une union, on va dire, de toutes les couleurs. D'accord? Quand toutes les couleurs se rencontrent, ça vous donne la lumière blanche. Et donc, non seulement on va avoir des lumières distinctes, une émission de lumière distincte dans la, quand je dis dans la couleur que je veux, ça veut dire que je veux, pardon, ça veut dire dans la longueur d'onde que je veux. Et en plus, il y a une stabilité. Against photo bleaching, ça veut dire que ces lumières ne vont pas interagir. Bleaching, c'est le blanchiment. OK? Blanchiment dû aux photons. Par exemple, tout se passe à l'aide des photons. Si je n'excite pas avec de la lumière, je n'ai aucun de ces comportements. Parce que c'est un semi-conducteur. D'accord? Donc, against photo bleaching, ça veut dire ces lumières sont émises séparément et en aucun cas, il y a une grande stabilité pour que ces lumières, qu'il n'y ait pas d'interférence entre ces lumières, qu'il n'y ait pas d'interaction pour me donner la lumière blanche. OK? Est-ce que c'est clair? OK? So, stability against photo bleaching and intriguingly. Intriguingly means surprisingly. It is so amazing. Favorable known toxicity. The human body reacts very well with silicon nanoparticles. Okay? So, this is a very, very interesting property. Intriguingly favorable known toxicity, which has been reported to be 10 times safer. So, than those of cadmium-based counterparts. Why? We all know that cadmium is toxic, but cadmium, when combined to selenium or tellurium or with some other elements, becomes a semiconductor and presents so many interesting properties that unfortunately cannot be used for the human body. Okay? It presents, so silicon presents, you just have to realize that this is a single element. Silicon alone will present the same behavior as some binary and ternary alloys. We have already explained that we use alloys for their synergy. We combine their properties. So cadmium, when they say cadmium-based counterparts, this means that cadmium is combined usually with zinc and with selenium, with zinc and with tellurium. So usually these are alloys. And silicon alone, as an element of the periodic table, will present the same properties, which is really intriguing and really amazing. Okay? So the comprehensive superiorities open a new avenue of the application of silicon nanoparticles to energy source, electronic sensors, catalysis, and biomedical purposes. So these are all the different applications of silicon. Of course, energy source, I have already explained, you can store energy, you can store hydrogen. Electronic, we all know that silicon as a semiconductor is used in electronics, sensors, silicateurs. Okay, catalysis, they use nanoparticles to purify all what is fuel, tout ce qui est, all what is oil, tout ce qui est essence, mazout, kérosène, peut être purifié. Il y a des réactions catalytiques grâce aux nanoparticules de silicium. En général, ce sont d'autres nanoparticules, mais le silicium fait l'affaire. And biomedical purposes, and the most important one is theranostic. Is it clear? Is it clear? Can we go to the next paragraph? Okay. So, like other semiconductors, we are talking about semiconductors and we have already explained what are semiconductors. Silicon is an indirect band gap. Last week, I have already explained what is the indirect band gap and I will repeat. So someone can explain what is the indirect band gap.
I have explained last week schematically. Okay, if you can't, I will explain and you will see it in solid state physics. Okay. And I have already given you the energy diagram of semiconductors. Usually, what do you have? According to the y-axis, what do you have? What do I have according to the y-axis? What did I say? Yeah, according to the y-axis, you have energy. This is energy. And just to let you understand, at the beginning, at the very beginning, according to the x-axis, I have told some space because there are some separations between the zones, but actually, actually this is the wave vector. This is K, okay? For this value of K, for instance, you have K1, and this value of K will correspond to a certain symmetry. You will see it, inshallah, in solid state physics. And this other value of K2, K is the wave vector. C'est le vecteur d'onde, d'accord? This is K2, another value. And this is, for instance, a third value of the wave vector. And for each wave vector, you have some symmetry. Here, I have the valence band. C'est la bande de valence, c'est normal. À l'état normal, tous les électrons qui nous intéressent sont ceux de la bande de valence. On ne s'intéresse pas aux électrons du corps, core electrons. Pourquoi? Parce qu'ils sont très fortement liés au noyau. Ils ne pourront pas se déplacer. Ce sont les électrons de valence qui vont faire l'affaire, qui vont se charger de transmettre, de conduire l'électricité ou la chaleur ou n'importe quelle forme d'énergie. And here, of course, you have the gap. I have already explained that this is a band that is strictly forbidden to be occupied. C'est ce qu'on appelle en français. In English, you have the gap. Pourquoi the gap? C'est le gap à passer, pour passer dans la bande de conduction. En français, j'appelle ça la bande interdite. C'est une bande d'énergie qui est interdite. Elle ne peut pas être occupée par des électrons. Ça veut dire que l'électron, quand il est excité, on lui donne de l'énergie. Quand il a pris un photon ou il a pris une certaine énergie, cette énergie, il ne va pas l'utiliser. Ça sera pour sauter de la bande de valence à la bande de conduction. D'accord? C'est cette énergie qui va, il va servir de cette énergie pour passer in the conduction band. This is the conduction band. D'accord? Et donc, a priori, votre semi-conducteur, il ressemble un peu. C'est une histoire de la largeur de la bande interdite. Donc, si ça va dépasser, on va dire, quelque chose comme 6 à 7 électronvolts, ça sera carrément un isolant. C'est trop. Quand la bande interdite devient trop importante, l'électron, il ne pourra pas sauter grâce à ce photon. Et à ce moment-là, j'ai un isolant. Et donc, le comportement des semi-conducteurs, il est très semblable à celui des isolants, sauf que la bande interdite, elle est réduite et donc les électrons vont en profiter pour pouvoir sauter à la bande de conduction et j'ai un conducteur. Parce que en physique du solide, vous avez deux classes a priori. Vous avez les conducteurs et les isolants. Pour les conducteurs, la bande de conduction et la bande de valence, elles sont mélangées. Il n'y a pas de différence. Donc l'électron, alors je vais faire ça, ça va faire alors entre la bande de valence, après je vais l'effacer, et la bande de conduction, vous avez un chevauchement. Il n'y a aucun problème pour les métaux, d'accord, pour les conducteurs. Donc l'électron, il va passer, il va conduire l'électricité très aisément. Et dans la deuxième classe, je vous ai dit, vous avez soit le conducteur, soit l'isolant. Quand
quand c'est un isolant, vous avez la bande interdite, et si elle est trop importante, l'électron ne peut jamais sauter, et vous avez ce qu'on appelle l'isolant. L'isolant en anglais, c'est insulator, insulator. Bon, quand, si vous lisez la chose en français. Voilà. Donc, je vais effacer et vous expliquer le comportement de ce semi-conducteur. Alors, we were talking about the indirect band gap that I had already represented. So, this is my band gap. If the jump of the electron takes place according to the same value of K, okay, here we have values of K. If the jump takes place from here, for instance, to here without changing the K, without changing the wavelength, okay, it is called a direct band gap. But for silicon, you have, for instance, this top and this bottom. This is a top for the valence band, and this is a bottom for the conduction band. For silicon, the gap is indirect, which means that your electron will pass from here to here by changing the wave vector. Okay, this is what they call an indirect band gap. Okay, the value of K will change during the jump. It jumps from a first value and it goes, and it arrives to the conduction band with another value. This is what is meant by the indirect band gap. Okay, this is solid state physics actually. Okay, so unlike other semiconductors, silicon is an indirect band gap material and manifests remarkable changes in optical electronic properties when its size. So here we are talking about the size dependence of the properties, electronic and optical properties, when its size approximates to bulk Bohr radius. For this Bohr radius, it is around 4 nanometers. Okay, and it is in the bulk. When the size of the nanoparticle, so this is a reference, okay, that is called the Bohr radius. When the size of the nanoparticle becomes comparable to these 4 nanometers, it represents some very, very optical and interesting optical and electronic properties. Is it clear? So here we are talking about the size dependence of silicon nanoparticles properties. What is the most interesting for them, of course? These are optical and electronic properties. Why electronic properties? As I have already explained, some decades ago, a computer used to occupy a whole room, a big room. Now your computer is inside your pocket, and this is due to the progress of nanoscience. And progress of nanoscience with regard to electronic, mainly to electronic properties. Okay, this is microelectronics, let's say. By increasing the radiative recombination probability. What did we say about the recombination? What does this mean? Recombination means that, can you explain it again, Katya, if you are still here? Okay. What do they mean by recombination? I will explain also. So, yes. Yeah, sure, sure.
c'est je vais expliquer. Le vecteur d'onde, on a déjà parlé des ondes. Vous avez déjà fait un module d'onde électromagnétique. C'est le vecteur d'onde. C'est juste le vecteur d'onde. Parce que quand je parle de l'électron, et notamment parce que vous avez fait votre module de mécanique quantique, Katia. OK. Donc, dans le module de mécanique quantique, on a insisté sur le fait que vous avez la dualité onde-corpuscule. L'électron ne peut pas être vu. En aucun cas, il peut être vu comme une particule tout seul. Et donc, et forcément, on lui associe une onde, la fonction d'onde. D'accord ? Et dans le, alors, vous avez en mécanique quantique le bras et le quête. Le bras, c'est l'état énergétique, et le quête, c'est l'état, c'est cette fonction d'onde. C'est l'état qui va suivre l'électron dans son parcours. Et quand je parle d'une fonction d'onde, et en général, de la manière la plus simple, quand je parle d'une fonction d'onde, on vous a dit le psi. Pour simplifier, je vais expliquer en 1D. Vous avez un psi de X et de T. Et en général, qu'est-ce que vous prenez? La fonction d'onde la plus simple, c'est une fonction d'onde sinusoïdale, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai? Je vais dire en notation complexe ou en notation, d'accord? Je vais prendre la notation complexe. E de J, qu'est-ce qu'il y a? Parce que la fonction d'onde, elle est sinusoïdale. Qu'est-ce que j'ai ici? Dans la phase de l'onde, j'ai oméga t, d'accord, moins kx. Oh là là, désolé. Oméga t moins kx. Vous vous rappelez de ça? Quand j'ai une fonction d'onde sinusoïdale, d'accord? Et donc, voici le cas. C'est de ce cas que je parle. Quand je dis the wave vector, c'est le vecteur d'onde, d'accord? Ce cas, qu'est-ce qui me traduit? Celui, le vecteur directeur de l'onde, c'est lui qui va vous diriger l'onde. En même temps, il vous renseigne sur l'onde. Les unités, c'est des mètres moins un, d'accord? Donc, il est directement lié à la longueur d'onde. Qu'est-ce que j'ai dans le module de K? Qu'est-ce que j'ai? K, A, de pi sur lambda. Donc, votre longueur d'onde, en fait, elle est contenue dans le vecteur d'onde. D'accord? K, c'est 2π sur lambda. Quand je dis wave vector, c'est comme en français, c'est le vecteur d'onde. C'est 2π sur lambda. Pourquoi? Parce que en aucun cas, je peux dire que l'électron est tout seul. Il est avec une onde. Et vous savez qu'il y a eu des expériences qui l'ont montré. Si j'envoie un électron à travers une fente, j'envoie deux électrons par exemple, je vais trouver deux tâches de diffraction. Si j'envoie par exemple un seul électron à travers une fente, mais dans le tableau qui est en parallèle, je vais trouver deux tâches de diffraction. On vous a parlé de cette expérience. Alors, A qui va laisser passer les électrons. Et je sais très bien combien d'électrons j'ai. Alors, on est arrivé au point d'envoyer un seul électron. D'accord? Je peux compter, d'accord? Un seul électron. Mais dans le tableau ici, dans l'écran, je trouve deux tâches de diffraction. Alors que j'ai envoyé un seul électron. Et c'est ça, c'est l'expérience qui a démontré l'aspect ondulatoire. D'accord? C'est comme si j'avais une onde qui était collée. Imaginez que j'ai une onde qui est comme ça, d'accord? Qui est collée. Au début, l'onde, elle est comme ça, elle suit l'électron, mais quand elle passe à travers la fente, je vais avoir, elle va se partager, elle va se diviser en deux. Je vais avoir quelque chose qui fait ça, l'onde qui est associée à l'électron, et du coup, je vais trouver deux tâches de diffraction. Et donc, je parle de ce vecteur d'onde, parce que quand je dis semi-conducteur, quand je parle de conduction d'électron, l'électricité, l'acteur principal, c'est l'électron, mais il ne doit pas être vu tout seul, il doit être vu avec sa fonction d'onde, parce qu'elle ne le quitte pas. En fait, il y a toujours cet aspect ondulatoire, et notamment, bien sûr, au-delà d'une certaine taille de particules ou de systèmes, vous avez des effets quantiques interviennent. Dès que les effets quantiques interviennent, vous avez cet aspect ondulatoire qui va s'imposer. Recombinaison.
This is what they mean about recombination. So you have here the valence band. Okay. And of course you have the gap and you have the conduction band. Okay. If you have an electron that is here, this is my electron. If this electron jumps to the conduction band, this electron will leave a hole. So this electron will come here. This is my electron. And here you will have a hole. So the place will be empty. This is a hole. Okay? Et donc, très physiquement, qu'est-ce qu'on parle pour les semi-conducteurs? On parle de la paire d'électrons-trous. D'accord? C'est comme s'il interagissait encore avec le trou qu'il a laissé. This is a hole, c'est un trou. D'accord? Donc, quand l'électron a quitté sa place, il va laisser un trou. Mais ce trou est très vite recomblé. C'est la recombinaison. D'accord? Le trou, très vite, il va y avoir un autre électron qui va l'occuper. Et donc, et c'est ce que j'appelle la recombinaison. C'est le fait de combler le vide qu'a laissé l'électron quand il est passé dans la bande de valence. Recombination. OK? Do you want me to explain something else with the board? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clair et que vous préférez que j'explique avec le tableau? Yeah. Yes? Yeah, Katia? Yeah, yeah, for energy storage, for hydrogen storage, yeah. How exactly if they, yeah. The pores are used for that. And it is at a very small length scale. I will explain. Of course, I will explain very schematically. I will take 4 nanoparticles in order to have a pore. These are 4 nanoparticles. If you have a beam of hydrogen atoms, for instance, that will come here, okay? And that here you will have no dangling bonds. This hydrogen, this is H, okay, H, hydrogen. These atoms may come easily here and be stored here, okay? This is very, this is explained very schematically, okay? This is a schematic explanation. Okay, Katia? Okay, you're welcome. So, okay, by increasing the radiative recombination probability through band gap transitions instead of phonon-assisted indirect band gap transitions, the intensity of photoluminescence can be greatly enhanced. And of course, here they are talking about photoluminescence. Okay, photoluminescence means, as we have already explained, light emission. Is it clear? So we want to increase this photoluminescence. And they are talking about a recombination. So I have the valence band, and I have also the conduction band.
What is radiative recombination? Radiative recombination means that if I have my electron here and that I have a hole here, this hole may be occupied by using photons. When you say radiation, radiative, when you say radiation, it is not radiation en français. On parle du rayonnement, d'accord? On parle du rayonnement de l'onde électromagnétique qui est celle de la lumière. Alors, ils préfèrent utiliser la lumière plutôt que d'utiliser, ils préfèrent à l'échelle vraiment, à l'échelle quantique, on va dire, au lieu d'utiliser des phonons. C'est quoi les phonons? Je pense que j'ai déjà expliqué les phonons. Est-ce que j'ai déjà parlé des phonons? Est-ce que j'ai déjà parlé des phonons? C'est quoi les phonons, madame? Pardon? C'est quoi les phonons? Donc, je n'ai pas parlé des phonons. Ok. Je vais expliquer. Le phonon, c'est le quantum de l'énergie de vibration du réseau. Ça aussi, je pense que vous allez le voir en physique du solide, mais c'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre. Alors, si je prends une chaîne atomique, qu'est-ce qu'on a dit ? Je prends par exemple, là, j'ai une chaîne atomique. Et là, j'ai une autre. Ça, c'est le réseau cristallin, on va dire, d'un élément du tableau périodique. Je vais prendre l'aluminium qui est très utilisé. Et donc, les atomes, ils ont une périodicité. Il y a un ordre, il y a une périodicité dans l'arrangement atomique. La périodicité, c'est la structure cristalline. Donc, vous avez des structures cubiques, les structures cubiques centrées, les structures cubiques à face centrée. Et donc, si je coupe, je vais avoir un arrangement qui est comme ça. Ça, c'est le réseau atomique. Qu'est-ce qui va se passer? L'état fondamental. Quand je parle de l'état fondamental de ce système physique, when I talk about the ground state, can you tell me what is supposed to be the ground state for this system in order to explain what are phonons? When is it supposed to be reached? Quand est-ce que je peux atteindre l'état fondamental, physiquement parlant? J'ai un système d'atomes et ce système d'atomes peut être retrouvé dans le zinc, dans l'aluminium, mais je suis à l'échelle atomique. Quand est-ce que je peux dire que ce système d'atomes est à l'état fondamental? All the atoms are in the ground state, which means that brilliant. No vibrations in the system, which means that thermodynamically, what is the temperature of your system? This is 0K. The ground state is supposed to be at 0K. Okay, this is my ground state. At 0K, you have no vibrations, but at ambient temperatures means that you are around 300K. Around 300K, your atoms will vibrate like this, okay? They will vibrate, and they will vibrate like this. They will vibrate among the equilibrium position, okay? And, of course, this is energy. Quand le fait que le réseau atomique soit en train de vibrer, quand je suis à température ambiante. À température ambiante, ça veut dire que je suis autour de 300 degrés Kelvin. 300 Kelvin. Ça veut dire que tous les atomes, ils vont vibrer. Ils vont vibrer et au point que l'onde correspondant à cette énergie de vibration, les ondes, elles vont se chevaucher. Par exemple, si j'ai une onde
qui fait ça et une onde qui fait ça, ça va se chevaucher. Et plus ça vibre, et plus il va y avoir un chevauchement. Et bien sûr, quand je parle d'onde, il y a une énergie qui l'accompagne. Et de cette façon-là, je vais parler de l'énergie, de l'aspect ondulatoire, de l'énergie de vibration du réseau. D'accord ? L'énergie de vibration du réseau qui est due à la chaleur, à la température. Donc, cette énergie de vibration, exactement au même titre que l'énergie électromagnétique ou l'énergie de l'onde lumineuse est quantifiée, l'énergie de vibration du réseau est aussi quantifiée. Et donc, quand je dis quantifié, je vais séparer jusqu'à, je vais séparer l'énergie, hein. Je vais essayer de dissocier jusqu'à atteindre une grandeur que je ne peux plus dissocier, comme on a fait pour la lumière. On a quantifié l'énergie de l'onde lumineuse jusqu'à arriver au photon. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de particules, il n'y a pas d'énergie au-dessous du photon. Donc, la limite de quantification, de dissociation, on va dire, de cette énergie, c'est le photon pour l'énergie de l'onde lumineuse. La limite pour l'énergie de vibration du réseau, c'est le phonon. Donc, j'ai quantifié l'énergie de vibration du réseau jusqu'à atteindre un degré où je ne peux plus dissocier, où je ne peux plus quantifier. Et le quantum de l'énergie de vibration du réseau s'appelle le phonon. D'accord ? Et je répète, tout ce qui est quantique, ce n'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui est mesurable, c'est quelque chose qui est observable, c'est quelque chose que j'observe. D'accord ? Le phonon existe. Et au même titre que vous avez un transport, parce que vous savez que en informatique, pour les ordinateurs, vous avez le transport de l'information grâce à l'électron. C'est l'électron qui se charge du transport de l'information en informatique. Après, qu'est-ce qu'on est passé ? De l'électronique, qui dit que c'est le transport de l'information par l'électron, on est passé à la photonique. Il y a un transport de l'information, une transmission de l'information grâce au photon. Et après, on passe même à la phononique. Il y a un transport, une transmission de l'information grâce au phonon. Et c'est normal. C'est de l'énergie qu'ils vont utiliser pour qu'une information passe d'un point A à un point B. C'est tout à fait normal. C'est comme si c'était de l'énergie potentielle qui était transformée en énergie cinétique à l'échelle macroscopique. Et donc, au lieu que la recombinaison, là c'est à l'échelle atomique bien sûr, pour les électrons c'est beaucoup 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 plus petit, et au lieu que la recombinaison de la paire électron-trou ou du trou se refasse grâce à une énergie lumineuse, grâce à la vibration du réseau, parce que ça peut être plus facile de chauffer que de frapper avec de la lumière. D'accord ? Quand il y a du soleil, par exemple pour les cellules solaires, chez nous en Algérie, on peut les mettre par exemple au Sahara, il y a beaucoup d'énergie solaire, on peut avoir une certaine efficacité. Mais ça ne sert à rien, par exemple, de prendre un panneau solaire à base de cellules de photovoltaïques qui sont à base de silicium et de le frapper avec de la lumière d'une lampe. Parce que la lumière de la lampe va fonctionner avec l'électricité pour récolter de l'électricité de l'autre côté. Nous, on veut avoir quelque chose d'économique. Et donc, on peut faire que la recombinaison de la paire électron-trou se fasse avec un chauffage, et c'est ce qu'ils appellent, quand je dis un chauffage, c'est de l'énergie thermique, c'est de l'énergie qui va faire vibrer le réseau, et de là, ça sera assisté par des phonons. Donc, l'électron, il va prendre le phonon et il va s'en servir pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc, au lieu de faire du chauffage, on peut, grâce aux atomes de silicium, on peut faire que cette recombinaison, c'est très facile de faire en sorte qu'elle soit radiative, au lieu qu'elle soit assistée par des phonons. Est-ce que j'ai vulgarisé suffisamment ? Là, je suis en train de vulgariser au maximum, hein. Mais à mon avis, je ne peux pas vulgariser plus que ça. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions ?
J'attends un retour de votre part quand même. Hein. Si c'est des questions, elles sont les bienvenues. S'il n'y a pas de questions, on poursuit. Juste pour revenir au fond, non, pour l'étudiant qui a posé la question. Je vous ai déjà parlé de la supraconductivité. Oui ou non? Hi, students, are you here? Est-ce que vous êtes là? Très bien, parce que j'ai pensé que j'étais en train d'enseigner toute seule. Je vais expliquer un peu plus sur les phonons. J'étais en train de parler de la supraconductivité, quoi qu'on soit en train de... On est censé faire de l'anglais. OK. Comment se fait-il que les matériaux deviennent supraconducteurs au point d'avoir un courant d'intensité très, très importante? Donc, quand il y a de l'effet Joule, on a dit ça va vibrer, les vibrations, elles vont se chevaucher. Et donc, quand je vais envoyer un électron, ça, c'est un électron que j'envoie dans le réseau atomique. Qu'est-ce qu'il va? Il va faire des collisions avec la vibration du réseau parce que ça se chevauche. Et donc, il va y avoir de l'effet Joule. Et l'électron, il perd son énergie. Il va avoir du mal à passer d'un point A à un point B. Maintenant, si je décrois la température, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de vibration du réseau. Mais à l'échelle quantique, on a dit, c'est une physique. C'est régi par une physique qui est complètement différente. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que la conduction se fasse par un seul électron, les électrons, ils vont s'unir. Par exemple, j'ai un électron qui est comme ça et un autre électron qui est comme ça, c'est un autre électron. Et ils vont être couplés par un phonon. L'énergie qui va coupler ces deux électrons, ça sera un phonon. D'accord? Et ce qui semble assez contradictoire, il n'y a pas de vibration, mais cette vibration, c'est comme si elle était supprimée pour que les électrons en tirent profit. Donc, au lieu que la conduction va se faire par électron singulier, par électron tout seul, la conduction, elle va se faire par des paires d'électrons. C'est ce que j'appelle de couple pairs. OK? Couple pairs, ce sont des électrons qui vont se tenir la main, d'accord? Qui seront couplés par un phonon. Et donc, et imaginez, il n'y a pas du tout de vibration, ils ne vont pas faire du tout de collision. Et donc, quand j'envoie la paire, elle va passer de l'autre côté à une vitesse ultra rapide et à une intensité très, très grande. Voilà comment fonctionne, en gros, la supraconductivité. Juste pour vous dire que ce phonon, il existe. C'est le quantum de l'énergie de vibration. Et c'est comme ça que j'ai la supraconductivité. Ce n'est pas l'électron qui ne trouve pas d'obstacle dans son chemin, mais c'est la paire d'électrons. Donc, au lieu que le courant soit conduit par des électrons, il est conduit par des paires d'électrons. Et cette paire, elle consiste en deux électrons qui sont couplés par un phonon. Juste pour dire c'est quoi les phonons. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Vous voyez que c'est tellement intéressant. En tout cas, pour moi, c'est très, 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 très intéressant. La physique, elle est très belle. Elle cache beaucoup de très belles choses. Et c'est vraiment dommage de les ignorer. OK? So, by increasing the radiative recombination probability through band gap transitions, instead of phonons assisted in direct band gap transitions, the intensity of photoluminescence can be greatly enhanced. OK? Though, until now, there has been no consensus on the origin of these amazing characteristics of silicon nanocrystals. So they observe the behavior of these silicon nanocrystals. They mean silicon nanoparticles, but they have brought some explanations, but no one can say effectively what is happening, what is taking place, what is the exact physics governing this, the behavior of these silicon nanoparticles. This term, consensus, c'est exactement comme en français. Les gens
Les physiciens, il n'y a pas eu de consensus. Ils ne se sont pas encore mis d'accord sur une idée qui est claire et nette par rapport au comportement de ces nanoparticules. Ils observent des comportements extraordinaires, mais ils n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Ils peuvent interpréter, mais il n'y a pas encore d'interprétation. Quand on dit un consensus, il n'y a pas eu une interprétation définitive par rapport pour expliquer le comportement de ces nanoparticules de silicium. OK? So, though until now, and I think that the paper had been published in 2016, I don't recall. OK, I will just check. So, 2014, OK? So, it is recent. This is a recent investigation. So, though until now, there has been no consensus on the origin of this amazing characteristics of silicon nanocrystals. And many researchers confirm that these particular properties mostly derive from the combination of quantum confinement and surface states. Okay? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Et là, vous voyez ici, you have the combination of quantum confinement and surface states. So here they are talking about synergy. Okay, you have combination of some properties, a combination of some effects. Okay, that people, that researchers, that physicists do not understand yet. So they say site-dependent phenomenon and other. Let me just re-explain here. These particular properties mostly means not totally. Not totally because they haven't understood everything. Okay, so you have quantum confinement and surface states. Surface states, I have already explained what are the surface states. Surface states are due to the atoms that occupy the surface of the nanoparticle. Surface states, why? I will explain again, and then I will explain also the quantum confinement. And you have a combination of between these two effects that lead to this behavior. So, you have the silicon nanoparticle, and usually what we observe, I personally have demonstrated this with computer simulations by using molecular dynamics technique. So such a particle usually is very unstable. You have here some dangling bonds. If you don't find, or if you don't do any passivation, I have talked about passivation. Passivation, like in French, la passivation de ces nanoparticules veut dire que ici, je vais émettre un atome d'hydrogène pour la stabiliser. Pourquoi? Quand il y a une liaison pendante de cet atome qui est à la surface, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent dire par surface state. Surface state, c'est une instabilité. Ça entraîne une instabilité de la nanoparticule. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle en physique la reconstruction de surface. Ça veut dire que cet atome, il va essayer de changer de position. Par exemple, il va venir ici. Il va essayer de se stabiliser. Ensuite, il va trouver qu'il y a toujours la liaison pendante. Ensuite, il va changer de place. Il va venir ici. Et donc, la nanoparticule, elle va être très instable parce que je ne l'ai pas stabilisée avec de l'hydrogène. Je n'ai pas fait de passivation. Elle va changer de place. Et donc, si je ne fais pas de passivation, toutes les liaisons pendantes qui sont dues aux atomes de la surface vont faire que le comportement de la nanoparticule, il va changer. Donc, il y a ces états de surface, ok, des atomes qui occupent la surface de la nanoparticule, et vous avez aussi le confinement quantique. Ça veut dire quoi, le confinement quantique? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Si je suis ici, et je pense que je vous ai déjà parlé de l'exciton de Bohr. Est-ce que j'ai parlé de l'exciton de Bohr?
C'est toujours par rapport au silicium. Il y a tellement de physique dans ce silicium. Imaginez, ici, j'ai un trou parce que l'électron qui était là, il est passé. Alors imaginez, l'électron, il est passé ici. Voici mon électron. Et donc, j'ai la paire d'électrons-trous. Elle est là. Et la paire d'électrons-trous, justement, ça veut dire que cet électron, il va continuer à communiquer avec ce trou. C'est ce que j'appelle le confinement quantique. Quand est-ce qu'il a lieu? C'est comme on dit en physique, les effets quantiques ont lieu lorsque la taille du système va être comparable à la longueur d'onde, à la longueur d'onde de De Broglie. Quand la taille de cet excitant de Bohr, ça veut dire je vais mesurer cette distance. Quand la taille de la paire d'électrons-trous, ça, c'est la paire d'électrons-trous. Quand la taille de la paire d'électrons-trous va devenir comparable à celle de l'excitant de Bohr, c'est une référence aussi, il va y avoir des effets quantiques. Ça veut dire que même si l'électron, on va parler de confinement quantique, c'est comme s'il était toujours emprisonné dans cette paire d'électrons-trous. D'accord? Donc il va continuer, il est passé dans la bande de conduction, mais il va continuer à interagir, à être en contact, à communiquer, si on veut dire, avec le trou qu'il a laissé. C'est ce que j'appelle le confinement quantique. D'accord? Et donc, ce confinement quantique, avec ses états de surface, vont faire vont faire un feu d'artifice, carrément. Des propriétés extraordinaires vont surgir de ce système qui est la nanoparticule de silicium. Est-ce que c'est clair? Ok. To have a comprehensive understanding of size-dependent phenomenon and other excellent properties, the morphologies and dimensions of silicon nanocrystals must be well controlled, either by synthetic approaches or subsequent analytical size-selected methods. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? J'ai un comportement qui dépend de la taille. Ça veut dire le comportement physique du système va changer quand la taille de ce système va changer. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur nanotechnologie? Ils veulent contrôler les propriétés par rapport au contrôle de la taille. Le contrôle de la taille, il va se faire soit par la synthèse, quand je parle de synthèse, ici, vous avez synthesis, ok? Ça veut dire quoi? On ne parle pas d'élaboration ou de préparation de nanoparticules de silicium. On parle de la synthèse de nanoparticules de silicium. D'accord? Donc, en général, je peux vous donner une ou deux méthodes. Qu'est-ce que je fais? Je prends un bain de silicium liquide et je vais augmenter la température jusqu'à entraîner une évaporation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne dois pas oublier de vous donner la deuxième méthode, juste pour dire que c'est, il y a beaucoup de physique à comprendre. Et je trouve que la physique qui est associée à ces nanoparticules de silicium, elle est carrément fascinante. Voilà. Donc, si j'ai... Alors ici, je vais avoir de manière très vulgarisée, j'ai le bain de silicium liquide. D'accord? Je peux faire de l'évaporation. Alors j'augmente la température. Donc qu'est-ce qui va... Alors les atomes de silicium, ils vont se mettre à quitter la surface un par un. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir... Alors ici, vous avez une température T1 et ici, je vais avoir une autre température, T2, qui va permettre une condensation des atomes de silicium. Donc, un atome, il est là, il va se condenser parce que la température a diminué, donc les atomes vont se mettre à se rapprocher et donc là, je peux avoir une nanoparticule. À partir de là, je peux la faire passer. Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils la font passer par un filtre.
D'accord. Ils font passer par un filtre et c'est les chimistes qui font ça, mais pas chez nous. Hein. Je ne pense pas qu'ils le fassent chez nous. Donc, ça va passer par des filtres et ce filtre, alors en général, ça fonctionne avec la spectrométrie Raman. La spectrométrie Raman, elle va laisser passer uniquement les particules d'une certaine taille. Donc, il va vous dire, ce filtre va vous laisser, par exemple, passer une nanoparticule qui va contenir 200 atomes. Avec ces 200 atomes, je vais avoir, par exemple, ce ne sont que des exemples, hein, mais ils font de la je ne sais plus comment, Raman spectrometry, je ne sais pas ce qu'ils ont, la spectrométrie Raman en français, ou je ne sais pas. Donc, avec une nanoparticule de 200 atomes de silicium, je vais avoir par exemple un rayonnement dans le orange. Ce rayonnement dans le orange, je vais l'utiliser dans un domaine de l'électronique ou de l'optique ou de l'optoélectronique. Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, évaporation, ensuite condensation, ensuite un filtre qui va laisser passer uniquement les particules d'une certaine taille. Donc, ça, c'est une technique qui est assez difficile. Il y a une autre technique qui s'appelle. Ce sont des solutions aqueuses. Donc, ici, j'ai un liquide qui contient des atomes de silicium et une solution qui va s'évaporer très facilement. Je les mélange. Ça, c'est de la chimie pure. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais laisser se regrouper les atomes de silicium. Donc, c'est ce que j'appelle la synthèse de nanoparticules de silicium dans la solution aqueuse. Et après, qu'est-ce que je fais? Je peux verser, par exemple, sur un substrat. C'est quelque chose de plat. Sur le substrat, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que la température de fusion du silicium est très, très élevée. Rien qu'à température ambiante, la solution aqueuse, elle va s'évaporer et donc elle va vous laisser un petit peu comme le sel. D'accord? Elle va vous laisser les nanoparticules de silicium sur le substrat. Voilà, une autre méthode chimique. D'accord? Mais il y a beaucoup de méthodes. Hein. Bon, il faut penser, quand je dis la difficulté de la méthode, on pense aussi à l'économie. Quel est le coût de la synthèse, de l'expérience qui va nous permettre d'obtenir ces nanoparticules de silicium. Et donc, le but ici, c'est, puisque j'ai une physique I have size dependent effect, so I want to get some benefit from this size dependent effect by controlling the size of these nanoparticles. OK? Et ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Ça veut dire, je vais choisir les nanoparticules de 200 atomes pour tel but, les nanoparticules de 20 atomes pour tel but, et ainsi de suite. C'est extraordinaire. OK? Do you have some questions with regard to this paragraph? To these five lines? So I repeat, to have a comprehensive understanding of size-dependent phenomenon and other excellent properties, the morphologies. Morphologies means, c'est comme, like in French, la morphologie, ça veut dire, c'est la structure de cette nanoparticule et ses dimensions. Par dimension, j'entends la taille. Et en général, la taille de la nanoparticule ne se mesure pas. On ne va pas vous dire c'est une nanoparticule de 2 nanomètres ou de 4 nanomètres. On vous dit c'est une nanoparticule de 10 atomes de silicium, de 300 atomes de silicium. La taille de la nanoparticule se mesure en termes de nombre d'atomes. OK? So, the morphologies and dimensions of silicon nanocrystals must be well controlled either by synthetic approaches or subsequent analytical size selected methods. Et là, il parle de la spectroscopie en majorité, ils font de la spectroscopie Raman. Et donc, il y a une sélection de la taille. Et bien sûr, comment je peux savoir que telle particule, parce que vous avez la masse atomique, et si j'ai trois fois ou quatre fois la masse atomique, je vais dire c'est une nanoparticule de trois ou quatre atomes, tout simplement. OK? Ça, c'est beaucoup plus, ça relève beaucoup plus de la chimie que de la physique. Mais tout le monde travaille dessus. So, morphologies, do you have any questions with regard to the last paragraph? That I have explained.
So I'm trying to explain in French in order to help you understand the physics. Do you have any questions? Okay, thank you. So the morphologies and sizes have been successfully regulated, particularly in many narrow band. So here you have the groups of semiconductors, because semiconductors are classified by groups. Okay, so the morphologies and sizes have been successfully regulated, particularly in many narrow band semiconductor nanoparticles. Narrow band, I think that you can guess what is the meaning of this sentence, or this narrow band semiconductors. What does this mean? Yeah, very good, brilliant. Narrow band means that the conduction will take place very easily, because the band gap or the gap is narrow. So it is easy to the electrons to jump from the valence band to the conduction band. Okay? So the sizes, can you imagine that the morphologies and the sizes have been successfully regulated? They could act on the sizes. This is wonderful, okay? Regulated particularly in narrow band semiconductor nanoparticles, especially cadmium selenide. So I have already explained that cadmium was alloyed to selenium in order to get some nanoalloyed nanoparticles. That's what they called cadmium selenide quantum dots. Quantum dots means these are dots. What is a dot? A dot is a point. Okay? If you observe, them with a naked eye, okay? This is at the microscopic scale, and it is even deeper. It is at the nanoscopic scale. These are like dots, but the properties are intriguing, actually. Okay, so especially they are talking about cadmium selenide quantum dots. These are nanoparticles, but we call them quantum dots because usually they are not isolated. Quantum dots are in integrated circuits, for instance. Usually they are on substrates. What do I mean? So here, it is nanoparticle. Once it is put on a substrate, it is a quantum dot. Okay? I will explain. Donc, ici, on va parler de microélectronique. Ça va? Donc, vous avez les circuits intégrés, et en microélectronique, vous avez les circuits imprimés. On ne parle pas de circuits intégrés. C'est tellement petit. Je suis à dos. Donc, je ne parle plus de circuits intégrés comme en électronique, mais je parle de circuits imprimés. Et ces circuits imprimés, ils sont à base justement de quantum dots. C'est des points quantiques. Donc, je peux avoir ici un substrat. Si je prends la chose, ça c'est une vue de haut. Voici mon circuit imprimé. Et donc, qu'est-ce que je fais? Les nanoparticules sont déposées ici. C'est une nanoparticule, d'accord? Et donc, j'ai encore une nanoparticule. Après, je peux les disposer. Ça peut être, et après, vous avez ces quantum dots. Ce n'est autre que des nanoparticules à base de cadmium, cadmium-sélénium, qui sont déposées sur le substrat. Ça fait des circuits imprimés qui sont utilisés en microélectronique et qui font des merveilles en microélectronique. OK? Voilà ce qu'il veut dire par les quantum dots. C'est des points quantiques. Est-ce que c'est clair? On peut passer
au petit paragraphe suivant. Is it clear? So, when they were talking about, at the beginning of the introduction, when they were talking about toxicity, so they were meaning, they were comparing essentially to cadmium-based nanoparticles. So, however, enthusiasm for their prevalent use is subject to its potential